La vérité sort de la bouche des enfants. C'est assez étonnant. Écoutez bien ça. Restez à la maison. Selon les résultats, 64% des répondants disent qu'ils iront se faire vacciner. La vaccination obligatoire est une solution dangereuse. De dernier recours, disent les experts. Ça alimente des théories de complot. On peut penser, là, même si c'est pas de preuve directe, que le couvre-feu donne des bons résultats. La direction des centres commerciaux, la gestion de l'achalandage et du flanage sera l'une des priorités. Mon fils, il s'est pas vacciné. Pas du tout? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, je trouve. Ils sont souvent malades après avoir été vaccinés. Maman! Pauline, c'est ça? Il a répondu. Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, je trouve. Sont souvent malades après avoir été vaccinés. Asti! Fais pas ta Pauline. Il répond. Résultat. La direction des centres commerciaux, la gestion de l'achalandage et du flanage. C'est incroyable. Mon fils, il s'est pas vacciné. Pas du tout? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, je trouve. Sont souvent malades après avoir été vaccinés. Il dit voilà. Fais pas ta Pauline, là. Ah, c'est ça. Des centres commerciaux, la gestion il dit de la voilà, voilà, voilà. Mon fils, il s'est pas vacciné. Pas du tout? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, je trouve. Ils sont souvent malades après avoir été vaccinés. Voilà. Fais pas ta Pauline, là. Ah, c'est ça. Incroyable.